C'est une rencontre purement pédagogique et idéologique, le secrétaire général du RDPS. Rétablissement de la démocratie et de la paix sociale a eu ce 28 mai 2023 ici à Kinshasa avec les responsables de l'interfédération de la ville-province. John Jesse Numbi est délégué par son président national Christian Tsenga pour une mission bien précise dans la capitale. Nous sommes là pour nous installer dans la ville de Kinshasa et je vous assure que dans quelques semaines, on ne pourra jamais parler de la politique à Kinshasa sans parler de RDPS. Nous sommes à l'aube des élections, nous nous sommes dit qu'il faut maintenant réorganiser le parti, il faut restructurer ce qu'il faut restructurer, il faut réarmer pratiquement idéologiquement, politiquement et mentalement nos troupes pour que nous puissions nous battre et gagner les élections. Les nouvelles réformes de la loi électorale, la gestion des ambitions politiques au sein du parti, des stratégies de communication politique pendant la période préélectorale et électorale, l'importance des élections locales qui confèrent le pouvoir de gestion à la base, autant de sujets pertinents que le secrétaire général du RDPS a développé en vue de remporter haut la main les élections qui pointent à l'horizon. Ma maman a voté les mabaza déjà à côté les manakats RDPS. Donc moi si et Sengelias à la paix na kati ya institution au réseau Sengé qui moi c'est la représentante na niveau nyonso na couche nyonso qui tokei na niveau local, niveau provincial, niveau national, moi si na kati ya parti RDPS à cause la wana po azali pe moko a coupé sa likanisi ya kitoko na kati ya lisanga o monene ya RDPS. Le RDPS entend intégrer les institutions de la République et diriger le pays avec une nouvelle classe politique et une autre vision de la démocratie, précise son secrétaire général. Après Kinshasa, où d'autres rencontres avec la base sont au programme, John Jesse Numbi reprendra son bâton de pèlerin pour le Kwilu, le Congo central, Goma, Bukavu et Mbujimayi, avant de regagner la capitale du cuivre.